Quand j'avais 8 ans, je voulais tuer mon père, le Small, comme je l'appelais. Mais j'ai été un garçon sage, bien élevé. Le Small, dans mon esprit, ça veut dire le mou. Tu sais que tu as déjà un lourd passif chez nous. On t'a gardé jusque-là, mais je me demande vraiment pourquoi. Tu te rends compte que tu as la chance d'avoir comme professeur Monsieur Foucault, qui vient du meilleur lycée de France? Pourquoi il est là, à ton avis? Pour vous aider. Et toi, tu dors pendant ses cours. Le plus inadmissible, c'est que tu te permets de tutoyer ton professeur et de l'insulter. Vas-y, lâche-moi. Non, mais c'est qui pour toi, Monsieur Foucault? Un copain? Tu cherches vraiment le conseil de discipline? En fait, c'est juste que quand j'étais petit, je passais tous les étés à la mer chez mon oncle et ma tante. Et le soir, quand on revenait de la plage, qu'il fallait aller se doucher, ben, 2 fois sur 3, mon oncle se glissait dans la salle de bain. Il y avait comme une espèce de petit rituel. Il me disait qu'il allait m'aider à me laver. Et alors il me savonnait. Très, très gentiment. Très doucement. Et là, il en profitait pour me toucher, quoi. Vous avez du feu? Des Yellowstone, un truc de fou. Vous avez vu l'émission sur Arte hier soir? Près de 9 000 km², il s'étend sur 3 États. Le plus vieux parc national du monde. Eh oui, une faune extraordinaire. Les grizzlies, les bisons, le loup gris. Le loup gris, c'est là qu'on le trouve à Yellowstone. Formidable. Je voulais te raconter un rêve que j'ai fait la nuit dernière. Tu aimes ce genre de truc? Alors voilà, j'ai rêvé que j'étais chez mes parents, dans l'atelier de mon père. Là, j'ai pris un torchon et une bouteille de white spirit. Ensuite, j'ai pris un sac en plastique dans la cuisine et j'ai ramené le tout dans ma chambre. Là, j'ai imbibé le torchon de White Spirit et je l'ai mis dans le sac. Puis, je me suis mis au lit. Et je me suis mis le sac sur la tête. Autrement, la journée, je suis un gentil jeune homme. Hein.